Philippe Labraud, invité d'Alsace 20, journaliste, écrivain, cinéaste, homme de presse, on vous a vu très longtemps à la tête de RTL, et auteur aujourd'hui de ce flûtiste invisible. Comment allez-vous? Ça va très bien, surtout qu'il fait un temps sublime, alors que je viens d'un Paris gris, brumeux, plein d'une pluie qui me fait penser à Blade Runner. Vous savez ce film? Exactement. Où il pleuvait tout le temps. Voilà. C'est à peu près ça la vie à Paris en ce moment. Venez vous installer en Alsace, vous y serez très bien. On va parler de ce flûtiste invisible. C'est un livre sur les rencontres, c'est un livre sur le hasard. Ce hasard qu'on peut également nommer la main de Dieu, en tout cas. Si on croit en Dieu, on appelle ça main de Dieu. Si on n'y croit pas, on appelle ça le hasard, la destinée, la fortune, la chance. En fait, il n'y a pas de définition. Il y a des moments dans la vie où il se passe des choses inattendues. Un détail près qui change une vie. Voilà, un détail près, c'est la rencontre, par exemple, de ce narrateur. Il va rencontrer sa femme parce qu'il a rencontré un gars qui un jour l'avait en ligne de mire en Algérie. Voilà. Un sniper qui n'a pas tiré. Oui, exactement. Et qui un soir, dans un restaurant, 10 ans après la guerre d'Algérie, est venu me voir en me disant « je vous connais ». Je dis « oui, d'accord, moi prétentieuse, je croyais qu'il me connaissait grâce à la télé ». Non, pas du tout, c'est pas ça. Je vous ai eu dans ma ligne de mire. Et puis, quelques années plus tard, comme il s'est mis après ensuite, il avait été amnistié à travailler à la télé, bah c'est grâce à lui que j'ai rencontré effectivement la femme de ma vie, Françoise. Alors qu'on comprenne bien, vous êtes en train de me dire que c'est pas un roman, ça serait plutôt un récit très autobiographique. J'ai mis roman parce que quand même je changeais beaucoup de choses, parce qu'il y a des gens encore vivants et tout, sur certaines histoires. Il y a 3 histoires. Donc celle-ci, c'est assez proche de la réalité. La troisième, qui s'appelle Le sourire de Thomas, alors là c'est une histoire totalement vraie, c'est pas mon histoire, c'est celle de mon voisin. Ce gamin qui aurait dû arriver à Auschwitz. Hein. Voilà, il est dans un wagon à Auschwitz, il a 6-7 ans, et le wagon, enfin le train n'est jamais allé là, il s'est arrêté en rase campagne. Parce que un jour à Vienne, un fonctionnaire a dit « ben, faut faire revenir des trains, on a besoin de main-d'œuvre ». Et il était en train avec sa famille. Extraordinaire. Et la première histoire, en revanche, elle est de fiction pure. D'accord, c'est cet homme qui se balade, qui chante Blackbird. Alors, c'est pas la version de Joe Cocker. Hein. Non. C'est la version originale. Et quelqu'un l'arrête en disant « vous êtes en train de chanter Blackbird, venez, je vous offre un café, on va discuter ». Oui, c'est-à-dire que dans la vie, effectivement, un jour, j'étais dans la rue en train de siffler Blackbird, c'est une chanson que j'adore. Et un type me croise et me dit « ah, formidable, Blackbird ». Je lui dis « merci, au revoir ». C'est tout. Mais à partir de là, moi, j'ai inventé un personnage qui, pendant 4 jours, a eu une histoire d'amour assez torride avec une Américaine assez torride sur un paquebot. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie part de roman, c'est cette histoire-là de Blackbird, oui. Et une vraie part de réalité. Vous avez, un jour, durant la guerre d'Algérie, été dans la lunette d'un sniper. Le gars n'a pas tiré. Oui, visiblement. Et je lui ai demandé pourquoi et il n'a jamais pu me répondre. Et alors le hasard, ces espèces de rencontres que l'on fait, certains disent il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Oui, ce sont les circonstances dont après coup, on se dit au fond il était normal que ça m'arrive, c'était prédéterminé. Vous savez ce titre, c'est une phrase d'Einstein qui dit « nous sommes prédéterminés par des forces que nous ne contrôlons pas ». L'insecte, l'oiseau, les légumes, les êtres humains, on danse tous au son d'une musique magique, mystérieuse, jouée à distance par un flûtiste invisible. Alors, le flûtiste, ça peut être effectivement, là-haut, une force obscure. Mais la vraie raison, c'est que, la vraie explication, c'est qu'il n'y a pas de raison et que le monde n'est pas aussi rationnel qu'on croit. Les choses arrivent, il faut accepter l'idée que parfois c'est un détail, une clé qu'on a oubliée sur une porte, un train qu'on rate, un avion en retard, qui change votre vie. Vous croyez en Dieu aujourd'hui? Alors je vais faire la réponse d'Einstein, qui disait, quand on lui posait la question, il disait « écoutez, vous me donnez une définition de Dieu, je vous répondrai ». Philippe Labraud était l'invité de C'est vous sur 20. Merci à vous. Merci. Merci le flûtiste invisible.